aza kosala na badocuma oyo toza kolakisa bino m23 abimisi na kati ya kinshasa mpo na kolakisa reellematke mboka na bino eza na yngo dirige te tokoyaka mpe tokokɔtaka ndenge tolingi l'envoyer spéciale des états-unis d'amerique ayaki na kinsasa boyebi yango l ete ya kinsasa Euh, avantier envoye spécial euh, ya états-unis peuple congolais ayaki euh, félix aza nde na chad nakozongela ango en moko aza nde na chad ayaki euh, netcepas pour euh, essayer unpeu de tala makambo ni ezoleka na kati ya rdc et après akoki kozonga na ye nas Etats-Unis je crois que ici même clôture il y a sommet naio mais na kozula binopamo kozat très important na live na bicho oyo eza en anglais mais je vais traduire parce que dans le ligne na soba journal à Kinshasa té pour ba journal à Kinshasa ba bango bazana façon na bango bazako interpréter euh l'envoyé l'arrivée de l'envoyé spécial des États-Unis na Katsha Congo le gens kokaniaque non l'amérique appuie ou soutient le régime tisekedi non je vous dis que l'amérique net pas la euh, dedans d'ailleurs selon batuite moko esalaqi très important awa baya bis biso que blken a fait qe 48 heures et plutôt afai 4 heures en afrique du sud donc dex jours quatre heures en république démocratique du congo sur notre demande christophe lutundula efera 48 heure au rwanda botala sukaoyo diplomacie nano ya rdc oyo eza kolakisa faiblesse totale blanken secretaire de état américain ayaki na afrique du sud oyo asalaki 48 here asilisi d jours n afrique du sud ayei na république démocratique du congo asali kaka 4 heure du temps ya pamba selon même demande ya, ya rdc E saai porqe baamericain baya kotala makambo a kota congo epuis le même blanken ake kigali ena kigali kuna akosala 48 r dn 2 jour o dels avan ye asenvole donc nyonso tu wana eza kolakisa biso ke nous sommes faibles même dans la diplomatie dalleurs nasalelaki bino dej video ezali même na baréseau

donc, vous n'avez même pas de valeur, vous n'avez pas de considération. Mais nous avons la sous-face on a très bien. Alors, maintenant, le secrétaire d'État américain, Akinsasa, a salimouan tout rébellé. Akei Kotoyo, Azongi Kotoyo, Akei Kotoyo, Azongi Kotoyo. Ah, le Congolais, il a Oh, il a soutenu Félix Tshisekedi. na ndenge makambo ezokende na kati ya rdc baninibanini to bia bon vous kwae ke baamericain baye basoutenir euh, betise ya feli tisecede no a vous revez les americains bayende kopesa e avertisemen bayeekopesaeavertissement ba vous alez comprendre ce document peple congolais euh, excse koutro douen oyo exse soki document oyo so euh, ndenge ezali vous alei comprendre que ce documen nazozwa yango parti moko eza essentiel mais koté mosusu eza kobima clair te o oyo yo, ezali site officiel ya département detat ya ministère deaffaires étrangre ya etats-unis d'amerique don tozwi yango te Il y a un site internet congolais où il y a une interprétation arabe. Où il y a des gens qui disent que nous sommes félix et qu'on est félix Non. Ici, on est bel et bien sur le site du ministère des Affaires étrangères. Il y a les États-Unis d'Amérique. Le site n'est pas officiel. Si vous voulez communiquer avec nous, ezali pouvez le faire le 8 août. Non, le 9 août 2022. deux le 9 août 2022, document Oyo Nazotangi bino Bimaki. Le le 11. Or, tandis que le 9, euh, le secrétaire d'État américain Azalaki déjà en Afrique du Sud. Parce qu'il est arrivé à Kinshasa hier, après 4 heures, il s'est envolé. Donc, à euh, Kigali. Donc, vous voyez, dans le document Oyo, Sikoyo, les points les l'Inezali capital et puis essentiels OYO, chaque Congolais. esengeli ayeba na pasage ya ministre ya afaire étrangere ya etats-unis na kati ya rdc malhereusement ndenge nayebisi bino docume oyo ebimeli biso ndenge yango ebimi mai tokomeka kopartagela bino etotangela bino lessentiel awa nazwi point oyo eza kapitale na arrivé na ye the united stateuppr e una organization io i rc donc euh, bango gouvernement Etats hein, y etats-unis 1 baza kosuporter mission ya oni na kati ya rdc monusco le point mosusu aza kapital the united states is providing 375 million in support of drcs elections les etats-unis dameriqe aza ko euh, comadi providing azao Bimisa, hein? Aza RDC, 23 millions,75 .75 donc 23.75 millions, pour n'a supporter processus électoral OSNGELI et Salama na RDC. Donc, pour les élections de 2023. Mais bah ce qui vont n'a à communiquer, including Baba Kissi, to strengthen transparency and electoral administration, improve civic and voter education, empower the population, including women and youth, to meaningfully participate in elections and help uh, marginalized community to understand and access political process. selon les États-Unis d'Amérique, l 23 ml p75oyo baza kotya mpo na kosiporte processus électoral ya 2023 balobi ke bakotelemela mpona oyo babengi transparente donc élection transparente oyo ekofengela esalama na kati ya kongo na kati ya transparente wana koma ausi faire une administration claire na procesus electoral oyo epui na 23 milio wana ba ko senga ke ba édicé ba civique c'est-à-dire ba, ba civile to ba mouvement o esengeli elandela ba vote et pe ça ba tuma yele comment est-ce que vote ko ko manamboka et comment surveiller les les élections et puis ba tia force to puissance to power empowering. powering donc ça dit ba repense sa force na population na kata population na inclut na basi epui na bajeune garçon baparticipe massivement na ndenge ya kokota na bakwe mosusu komeka kosensibilize bacomunauté mpo na bango tu baparticipe na processus électoral meme ya kocomprendre comment esque politique ekoki kozala dirige na kati ya mboka une july euh, bapesi na bajulet

ithelectoral process tat are transparent and inclusive babi pour les états-unis lair apuis d'argent o bazoya nango esali kakate ke baye batikeli feli tisekedi fa de sela ce que tu vais mais baye oabia feli tekedi l'argent là que les élections s'organise en 2023 vraie élection libre transparente et crédible il faut e salama na 2021

L'envoyé spécial des États-Unis, Nakatia, capitale congolaise, et l'Ingi Koroba, la simple chose, Félix, tu sais ce qu qu'il dit, doit organiser l'élection et puis partir. Le message est clair. Oh, Fatih Béton. Tu dois partir. Donc, le message est clair. Quand on dit l'élection doit être libre, transparente. Et inclusif, donc, on avait dit, ils savent bien le bilan de Chilombo. Bah, il le monsieur ici ne fout rien à la tête du pays. C'est un grand jouisseur, un grand ambassadeur, un gros voleur à haut niveau. Voilà le pourquoi, bon. Nato na Makasi. Nato Longolo Yo, Yomoko Mi kendelana Yo, après l'élection 2023, fais le choix. Même message. C'est pour ça qu'il y a le Tchilombo. C'est pour ça qu'il y a M23. Le M23, entre parenthèses. Mais le vrai problème de bengouba, RDC. C'est de dire à Tchilombo, tu dois préparer tes valises. Après 2023, tu ne seras plus président du Congo. D'ailleurs, prévenez, il va finir le mandat. Atika <y> vas maison blanchitée. Tu vas <y> maison blanchitée.

et ce qui가 en congoté les états-unis d'amérique à travers son envoyé blanken a kende dans na rwanda na kigali alors na rwanda kuna il y a une petite vidéo je vais vous balancer boyoka et l'heure où ni blanken à abc paul euh, kagame na na rwanda kuna na visite nae na kati ya kigali suivez la petite vidéo... Au revoir. Nous sommes très préoccupés par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda a soutenu le M23. Nous demandons à toutes les parties de la région de cesser tout soutien ou toute coopération avec le M23 ou tout autre groupe armé non étatique. Cela est essentiel pour apporter la paix et la sécurité dans la région. ce soutien du Rwanda. Nous sommes très préoccupés par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda a soutenu le M23. Nous demandons à toutes les parties de la région de cesser tout soutien ou toute coopération avec le M23 ou tout autre groupe armé non étatique. Cela est essentiel pour apporter la paix et la sécurité dans la région. Voilà! peuple congolais boyoki envoyé spécial au états-unis apesi message clair na kigali atika kosuporter m 23 parcqe bainformation tout baza na nango ezali crédible oyo eza kolakisa que le rwanda soutient le m23 et la rdc a demandé des sanctions contre le rwanda mais le grand problème ane ezali kue bino moko na rdc bopesi rwanda basanction nini Tant que vous vous sentez à l'État, a sanctionné Rwanda. Tant que vous vous payer la pays, à sanctionner Rwanda. Mais qu'est-ce que la RDC a fait pour sanctionner le Rwanda? Citez-nous, même cinq sanctions, au la RDC, au et de la RDC, non, il y a un conflit, il y a un problème, et que la RDC est mécontent par rapport à au Rwanda au la RDC. Il n'y a rien. D'ailleurs, Christophe Lutundula, à ce a ministre des Affaires étrangères et Rwanda, à ce qu'on c'est comme si ba tout bande de connards Congo. D'ailleurs Christophe Lutunde a écoute en ta Rwanda, ministre des Affaires étrangères a ce canaillé. Il rit. Azambo sengaba payimususu ba sanctionner le Rwanda. La RDC doit commencer d'abord à sanctionner le Rwanda. L'ambassadeur rwandais au Congo, il fait quoi Les frontières du Congo au Kangamana Rwanda, pourquoi tu les as ouvert Pourquoi tu les as la frontière les

secrétaire d état américain ya affaires étranger alobi que kigalifoi tika kosala ko suporter m23 mpo na koluka pe na sous-région mais est-ce que vous pouvez me dire oyo touti kozwa na nations-unies ezali premier rapport ya ba groupe despert combien de rapports que nous avons eu détaillés numéroté que le Rwanda attaque le Congo, envahisse le Congo, cherche à balkaniser la RDC. Combien de rapports Combien de rapports nous avons reçus Bon, cette fois-ci, il y a une différence. Parce que, bah, que le bango, même la Kata qui est qui supportait M23. Mais pour que les États-Unis, pour que les Congolais croient que réellement, que les États-Unis... À l'Ingipe, à l'Est à Congo. Mais, la, mais qui supporte le gouvernement du Rwanda Bon, il a aussi parlé de questions de droits de l'homme dans le Rwanda. Mais le problème, il y a, y a kagame, Il sait qu'il y a qu un parapluie États-Unis. Il n'y a qu'un seul pays. Il n'y a qu'un seul pays que le Rwanda respecte, que le Rwanda obéit. Dans Mobimba, c'est les États-Unis d'Amérique. Il n'y a qu'un seul pays que le Rwanda, que Kagame obéit. Que Togo maloumine fait ça à Kassali. c'est seulement les États-Unis. Tous ces pays là qui restent, elles à la France, elles à la Belgique, elles à l'Angleterre, elles à la pays où on a tout sur la Kagame se comme si côté à ma à gauche et mine à droite. Mais si l'Amérique a Kagame fait ça, Kagame s'aligne à A quoi ils Nous sommes venus pareil, nous sommes venus pareil, nous sommes venus à côté à ma tête à toi zotcha. Mais ceux qui est et, et, et insistés, bah, si nous sommes venus faire ça, il va le faire. Donc, pour dire, oh, tout l'Amérique, bah, bah, il suffit de couper le pont avec le Rwanda. Parce que si l'Amérique, qui est défenseur des droits de l'homme, qui attaque aujourd'hui la Russie en soutenant l'Ukraine, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Bah, on supporter l'Ukraine, mais comment les États-Unis, qui a de preuves tangibles, Secrétaire d'État. Nous avons des preuves tangibles, mais comment il y a des preuves tangibles, mais il n'y a, a pas de sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda supporte, le Rwanda tue les Congolais. Les preuves sont là, rédigées. vous avez cela. Mais comment les États-Unis d'Amérique continuent de supporter Monsieur Pareil? C'est là où les Congolais s'étonnent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique ne coupe pas les ponts avec Kigali, avec le Rwanda Parce que si les États-Unis aujourd'hui sanctionnent le Rwanda, mais le Rwanda va obéir, le Rwanda va reculer. Mais, mes frères, le vrai problème, le vrai problème, c'est pas seulement que les États-Unis. Sengali a sanctionné le Rwanda, mais il y a beaucoup de qui se cachent derrière, qui fait que c'est un peu difficile pour que l'Amérique sanctionne le Rwanda. Pourquoi Parce qu'il y a trop de vous savez, trop de coopération, trop de trucs entre ces deux pays. Donc, que les États-Unis sanctionnent le Rwanda, c'est comme s'il se sanctionne lui-même. C'est comme ça qu'on peut dire. Que l'Amérique a sanctionné Rwanda, c'est comme si l'Amérique se sanctionnait lui-même. Parce que si l'Amérique n'a pas vraiment d'intérêt au Rwanda, ça ne va pas hésiter pour l'Amérique de sanctionner Kigali. Ça ne va pas tarder. Mais que l'Amérique sanctionne le Rwanda, c'est comme l'Amérique se sanctionne lui-même. Rwanda reste le meilleur allié de, 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 de l'Amérique, le meilleur allié de, de, de l'Amérique. Voilà le pourquoi on peut parler. On peut dire ce que le secrétaire d'État aoutu Koloba, mais Oleg il n'a perçu. Ça ne va pas déranger Kagame, parce que Kagame a eu que ma il ne colonisait États-Unis, il sait que va protéger le pouvoir les, les États-Unis. États États Donc, à vrai dire, l'Amérique a fois changé de politique envers le Rwanda et envers l'Ouganda. Ces deux pays-là, si l'Amérique veut réellement et cherche réellement la stabilité à la sous -région, dans la sous-région, il faut changer la politique envers le Rwanda et envers l'Ouganda. Mais, de toutes les façons, toujours avons répété que le monde a changé. Le monde a évolué. Aujourd'hui, on n'a pas cru que Poutine a été président de Mali. Mais on voit ça aujourd'hui. Et le président malien ne se gêne pas. a commis un tweet que je viens de parler avec le président Poutine. Le monde a changé. Ça, nous continuons à dire cela. Nous sommes dans le territoire américain. Nous continuons à dire cela. Que l'Amérique doit cesser de supporter Kigali. Parce que quand Kigali continue de, de, de déstabiliser le Congo. Les Congolais de leur tour l'Amérique. Acquise les états unis D'être derrière le Rwanda. Pour déstabiliser le Congo. Et tirer profit. Et tirer des intérêts. Et tirer des bénéfices. Or. Des coopérations peuvent être établies. Entre la RDC et. Et les États-Unis, sans passer par le Rwanda, on peut faire des coopérations, on peut faire des choses, sans passer par Kigali, sans passer par Kagame, sans passer par Mousseveni. On n'a pas simplement besoin de tuer des Congolais pour faire des business. Donc, euh, on dit seulement aujourd'hui, le monde est évolué, le monde des changé, changer, que les États-Unis à comprendre de politique anonyme il y a 2000, ce n'est plus la politique de 2020 aujourd'hui. Ah, si vous restez catégorique, c'est nous la superpuissance, c'est nous le fort, personne ne peut rien faire, mais il y a des risques aussi. On ne sait jamais, l'homme est l'homme. Il peut se réveiller demain matin, il bascule les choses. Trop de souffrance pousse quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Ah, on dit cela aujourd'hui, ce que l'Amérique comprenne un peu. La souffrance des Congolais et les tueries qui se passent à l'est du Congo, bandé de Nangai. Alors, et loko wana l'inga ki nae en ngo pour que binope bo yeba ba noko Nangai ba Congolais. Voilà. Ah, RDC, loko ya makasi. Peuple